Ce coin nous appartient, Moustique, car toi et tes carreaux partaient jouer à la dinette. On était là avant vous. On est prêts à tout pour rester ici. Alors toi et tes copains, repartez jouer au but tranquillement. Marie, Morgane, lâchez tout de suite ces bâtons, je vous mets au coin tout le reste de l'après-midi. Tu dois tellement être rassurée que la maîtresse soit là. S'il te plaît, tu sais parfaitement que c'est vous qui avez eu la chance. Mais il existe d'autres moyens de nous départager que la bagarre moustique. Quoi par exemple? On peut faire une course de cheval. On n'a pas de cheval. On dit chevaux, pas cheval. On n'a pas de chevaux, mais il y a plein d'escargots autour de nous. Je te défie à une course d'escargots. On a 3 jours chacun pour entraîner notre escargot. Le gagnant garde le terrain. Édouard, ta maman est là. Quoi, c'est pas juste. Au revoir les gars. Challenge accepté. Bon, les gars. Je veux que demain, on ait tous un escargot qu'on aura trouvé chez nous. On leur fera faire la course et on prendra le meilleur. Ils n'ont aucune chance. Qu'on n'entraînera pendant les jours qui restent. Mais on ne peut pas leur faire confiance. Il faut protéger le coin d'herbe en attendant. On ira mettre des pièges dès que possible. Alors, t'as trouvé un escargot de compétition? Oui, j'en ai trouvé un petit, mais rapide comme l'éclair. J'en ai trouvé un. Elle s'appelle Princesse. Elle va vite au moins? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue se déplacer. Mais elle est vide, elle n'a pas de coquille. Celui-là. Mais il est vide. Je suis avec vous. Ouais, lui c'est bon. Arrêtez, stop. Mais il est... Comment il s'appelle? Je suis dans ma Turbo. Maintenant. Turbo. J'ai trouvé un escargot rapide. Ultra rapide. Je l'ai testé. Moi aussi, j'en ai trouvé un. Il va plus vite que le tien. Passez-moi tous vos escargots maintenant. Oh, t'es pas trop de cookies. Oh là, mais aucune chance, on a surentraîné notre turbo. En plus, on va donner du Red Bull pendant 2 jours. Ah, oh, ah, ah, ah. Princesse va vous en faire qu'une bouchée. La récréation est terminée.
Madame, la course d'escargot n'est pas encore finie. Et alors quoi? Je vais arrêter de vous enseigner jusqu'à la fin de la course? Dépêchez-vous de rentrer! Madame, vous avez enlevé nos escargots? Non, pourquoi? Ils ne sont plus là? Non, ils ont dû retourner dans la nature. La maîtresse a dit qu'ils ont dû retourner dans la nature. Vite, il faut les retrouver! Oui, ils ne survivront jamais ici! Ce sont des escargots de campagne et on est en ville! Oui, bah c'est tout joli, tu cherches les escargots! Ils ont la coquille noire. C'est sûrement la nature qui nous punit d'avoir gardé, de l'avoir gardé pour nous tout seul. Même que les arbres ont perdu leurs feuilles. Ma mamie dit que les feuilles c'est comme les larmes. Et que parce que les arbres sont tristes de voir l'été partir, qu'ils perdent toutes leurs feuilles en pleurant. Peut-être que c'est un peu notre faute. Il faudrait arrêter de se battre pour faire plaisir à la nature. Faut qu'on fasse quelque chose pour la nature. On n'a pensé qu'à nous. Le soleil qui leur dit: prenez, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça on le dit. Les histoires de cercueils, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbreuses et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde boire, tout et les moustiques, finalement le terrain il est pas si petit que ça, on pourrait se le partager. Oh c'est fou, je vais dire exactement la même chose, on a parlé de ça avec les gars. Alors la guerre est terminée? Elle est terminée. Ok, c'est plus de la guerre. On retourne chez eux, ils s'en vont près de nous. Ils s'en vont très heureux, comme ils ont beaucoup bu. Ils titubent un petit peu. Mais...